Oui, salut, je m'appelle Alex. Bon, c'était pour vous montrer comment faire sa propre vidéo avec Windows Movie Maker. Alors, vous devez avoir Windows Movie Maker. Vous le téléchargez sur Google, hein, c'est facile. Alors, maintenant, bon, ça, je vais supprimer. Alors, maintenant, vous allez dans Importer dans les collections. Vous allez prendre votre vidéo, je sais pas laquelle, hein. Une vidéo n'importe laquelle, c'est pas moi par exemple, celle-là, mais elle est pas très longue. Ok, alors ensuite maintenant vous prenez votre vidéo, vous la prenez, vous faites glisser là, de toute façon il y aura marqué hein, déplacer, vous faites glisser, là vous prenez le reste, tac, et vous faites glisser pareil. Ok. Alors là vous voyez que c'est une vidéo, alors non. Vous voulez ajouter un titre à votre musique, vous avez titre et générique dans l'outil. Ajouter un titre au début, je vais mettre salut. Donc là, vous voyez que ce que j'ai écrit. Pour modifier l'animation du titre, par exemple, voilà, entrée, tac, voilà, il va y avoir plein de propositions, voilà, sortir, journal, il y a des trucs vachement marrants. Hop. Ensuite, vous voulez modifier la couleur pour que ce soit bleu. Moi, je vais prendre noir. Voilà. Vous voyez, votre titre est en noir. Vous voulez modifier la taille des lettres. Monter, petit, taille des lettres. Voilà. Tac. Gras en italique. Ou bien en italique. Donc, souligner. Voilà. Vous l'ajoutez. Ensuite, vous voulez ajouter des petits trucs marrants, des transitions vidéo. Donc, entre. Alors là, vous voyez, vous avez plusieurs choses. Vous avez le choix de regarder vos exemples. Moi, je vais prendre le truc comme ça. C'est simple. Voilà. Vous le prenez. Vous le faites glisser. Et là, vous voyez une petite barre bleue qui va se mettre. Hop. Vous détachez. Et là, vous pouvez voir. Ok. Voilà. Il y a votre transition vidéo, ensuite vous prenez une étoile par exemple, voilà, vous la prenez, et là j'ai pas plus, je peux pas en mettre plus vu que les vidéos elles sont coupées en clips, donc elles sont coupées en deux et vous pouvez mettre entre les deux les, vos transitions vidéo. Ensuite, effet vidéo. Par exemple, vous voulez faire un vieux film, on va voir. Voilà, vous prenez ça. Tac, voilà, vous faites glisser. Tac. Ça fait vraiment vieux film, hein, vous voyez. Vous avez plein de trucs vachement marrants. Ensuite, vous voulez ajouter de la musique sur votre vidéo. Vous faites importer toujours dans les collections. Vous choisissez une de vos musiques. Je sais pas, je vais en mettre une au hasard. Je sais pas, genre ça. Voilà, on va mettre une. Bon, là vous avez votre musique. Bon, moi j'ai supprimé. Et après pour la rendre en format normal, pour l'envoyer sur YouTube par exemple, comme là elle sera en format Windows Movie Maker, vous allez dans Fichier, Enregistrer fichier vidéo, vous allez poser le travail suivant,
Voilà, vous parcourez pour voir où vous voulez la mettre, bureau. Et là, vous cliquez sur suivant et ça va l'ajouter. Ça va l'ajouter tout de suite et après, vous cliquerez sur terminer quand ce sera fini. Voilà, c'était une vidéo pour vous montrer comment faire sa propre vidéo. Ciao!